Hey, bonjour à toutes et à tous, c'est Makito, on se retrouve pour un nouvel épisode sur Elden Ring. On va continuer vite fait notre progression, on va aller se taper avec des boss et faire ce qu'on n'a pas fait, si possible faire le premier boss de l'histoire. Et je crois que c'est à peu près tout. Je vais vous laisser avec un petit peu de gameplay où je parle pas. J'ai tourné ça en deux spies parce que je suis tombé dessus sans faire exprès. J'avais pas trop le choix, je devais me battre parce qu'il me tirait dessus. Mais j'aime pas trop qu'on me tire des flèches de loin. Je vous mets ça tout de suite. Et on se retrouve direct après. Allez. Ok, on est reparti. Alors, la lampe. La fiole. Les chiens. Et on est parti. Au maximum les petits, comme ça on pourra s'occuper du prêtre. Ah, c'est ça que je voulais éviter. Encore un qui tire là-bas. Ils ont buté tous mes loups. J'ai même pas fait gaffe, j'ai ramassé quoi sur le pote? Thank you.
Ok. C'est pas un katana alors. M'aurait-on menti? Ah si, d'accord. Il faut combien? Intelligence 18. 15 de force, eux je les ai pas non plus. Ah si, j'ai 16. Il me faut 14 de dex. Bon, la dextérité de toute manière, il faut que je la monte à 22, donc oui. De toute manière, il me manque quoi? 2 niveaux. Par contre, intellect 18. Je suis à 14. Ah, ça me fait monter 4 niveaux d'intellect, ça m'embête un peu ça. Hein. On va juste regarder à quoi ressemble. Par contre, range ton bouclier. Ok. Par contre, je suis en train de mourir. C'est le poison qui est en train de me tuer en fait. Le problème, c'est que je vais pas pouvoir utiliser son plein potentiel en fait, vu que j'ai pas l'intellect. Vous voyez, je lui fais pas de dégâts en plus. Bon bah c'est cool, on a récupéré ça. Même si en vrai, je sais pas s'il va vraiment me servir. Je vais pas monter mon intellect juste pour faire du katana, hein, je vais pas vous mentir. J'aurais préféré monter ma dextérité parce que ça commence à coûter cher et c'est chiant à farm en fait. C'est un peu le problème du jeu. Hein. Moi, c'est le plus gros défaut du jeu, c'est le farm en fait. J'aime bien hein, le jeu. Hein. Le concept est cool, hein. Mais farm les runes à l'infini. Et les perdre surtout, dès qu'on meurt. Ça, c'est en fait, c'est chiant. C'est soit l'un, soit l'autre, hein. Soit l'XP ou soit perdre. De... Mais pas les deux, hein. À un moment donné, arrêtez d'être con. Non, mais je dis ça, je rigole, hein. Parce que je sais qu'il y en a qui prennent ça au sérieux. Comment ils nous enchaînent. Cette zone elle est vraiment horrible. Faut vraiment être patient. Alors vous imaginez s'ils sont nombreux. Bref, bon, je vous refais une ellipse et on est reparti. Comment ça, j'ai un truc par là? Ah oui, parce que je suis mort là-bas. Bonjour, je fais que passer. Bonjour. Alors là, ici, c'est pareil, il y a un truc à faire. Mais c'est du poison en fait. Il paraît, je sais pas, une armure de poison. Je vous propose. Même si on risque de galérer, c'est d'aller se faire. C'était pas du tout là. C'était tout en bas. Ce que j'avais commencé en début de vidéo, ce que je vous ai montré là, le gardien et tout ça, au bout il y a un boss en fait. Donc pourquoi pas se faire ça. Et je pense qu'on va s'arrêter là-dessus après. On va peut-être se faire défoncer, hein. Je vous promets rien. Je voudrais aller voir aussi à la table ronde si l'autre il y est. Alors c'est pas ici, j'ai pas l'impression. Là, ça, c'est un autre endroit encore. Non? Oh, je sais plus, je commence à être perdu à force de visiter plein d'endroits. Le jeu est pas avare en contenu, on va pas se mentir.
Il y a quand même beaucoup de monde là. Hein. Est-ce qu'ils sont forts eux ou pas? Oh ça va. Ouais, alors par contre. Oh! Oh, je l'avais pas eu. C'est j'arrive pas à le lock. J'ai fait trop vite. Ouais, j'étais pas prêt parce que je m'attendais pas du tout à lui en vrai. Faut pas vous mentir. Mais j'ai aggro tout le monde aussi. J'ai fait un peu le pifou. Genre, encore une fois, je fais ce qu'il faut pas en fait. C'est que je rush comme un porc comme si j'étais un super héros. Ne faites jamais ça. J'ai pris la potion trop vite. Alors, je pensais qu'il y avait un boss, mais si c'est lui le boss, ça devrait aller. Parce que le problème, il est là en fait, c'est que. C'est bien de mettre des mobs comme ça et tout, mais ça nous fait gaspiller nos potions et tout, et arrivé au boss, bah on a plus rien. Je trouve ça trop. Ouais. Tirer les autres. Alors, le boss il est là. J'essaie d'en tuer au maximum pour quoi qu'il y en ait à nous emmerder pour faire le boss. Mince. Alors c'est pas un boss en vrai, mais c'est quand même un relou. En plus il loote rien quoi. Ah ouais. C'est trop. Ah y'en a d'autres. Pourquoi je peux pas loot? Pourquoi je peux pas loot? Mince. Une graisse incendiaire. Bon, il reste des mobs derrière, hein. Je les entends. J'ai mes loups qui vont disparaître. Qui vont disparaître. Oh là! Qui vont disparaître. Ça a l'air d'être vachement grand ici. Ouais, s'il te plaît. Ouais, je vais me faire défoncer, je m'en doutais. Mince, j'ai fait n'importe quoi. Ah mais c'est trop parce que là, il faut défoncer tous ceux de la cour, plus les autres après. Ah ouais. Ça rigole zéro ce jeu.
J'ai quand même. Bah, après, c'est mon impression, mais j'ai quand même l'impression que. C'est un jeu qui est très axé pour les classes pas mages. Hein. Je vais pas vous mentir. Je trouve qu'on n'est pas aidé en fait pour les classes, tout ce qui est magie et tout ça. En vrai, les runes, là, je vais les laisser de côté pour le moment. Ou alors je vais laisser tout le monde là ici, parce qu'on s'en fout un peu. D'ailleurs, je vais pas regarder, ça se trouve, il y a des trucs à collecter ici. Ouais, parce qu'ils ont tous respawn là en fait. Est-ce qu'on peut rush et puis les laisser tomber Oh! Je ne l'avais point vu! La clé mort! Ouais, mais ça, encore une fois, c'est pas une arme pour moi ça! Je trouve toutes les armes qui sont pas pour moi, c'est cool! Hein. Ah, c'est trop! Rien d'autre. Ça a l'air d'être un château où il faut pas mal se balader. Oui, j'ai abandonné mes loups. Mais ils ont l'air de se battre encore, non? Ah non, c'est pas eux. Ah ouais, je peux tuer tout le monde. Hein. Je l'ai vu à l'autre avec son arbalète là. Quoi? Je m'en bats les reins en fait. Je pensais qu'on allait s'entraîner. Il y a un truc à ramasser au bout. Hein. Pas qu'il allait me rush deux fois à suivre. Une torche barbelée. Ah ouais, alors ça. Je vous dis, moi je loot tous les trucs de merde en fait. Tous les trucs les plus nuls du jeu, bah je les ai. Hein. Vous les avez pas vous? Bah moi je les ai. On peut encore monter, oh non. Une torche barbelée, le truc qui sert à rien quoi. Qu'est-ce que tu veux que je foute avec une torche barbelée? Je suis en train de me rendre compte que la vidéo risque d'être très très longue. Je m'en excuse. What the fuck? Je peux pas les avoir.
Il est passé à travers le mur. Ah non, c'est trop là. Eh, tu vas pas me gonfler? Vous voyez là, je suis. Ouais. Parce que j'imagine qu'il y a un boss quelque part. Hein. Je sais pas trop où, mais. J'imagine. J'ai l'air d'un idiot avec ma plume. Tant qu'il me l'a pas foutu dans le cul. Oh, y a un truc pour respawn ici. Question, est-ce qu'il y a vraiment des trucs à récupérer là-bas? Parce qu'il y a beaucoup de monde là. Hein. Deuxième question, c'est est-ce que je peux passer en dessous en fait? J'ai bien l'impression. Si on peut prendre le petit camp, là, le feu. Si je fais ça, ils vont tous réapparaître. Je peux même pas repasser en fait. Là. C'est bien d'avoir ça, mais. La question c'est que je suis censé passer par où en fait? Et puis je peux pas prendre ma monture? Ah ouais. C'est quoi l'intérêt d'avoir un truc ici en fait? Je suis pas sûr de comprendre. Ah si, ça m'oblige à descendre par là en fait. Du coup, j'aurais pu. Et on va le faire d'ailleurs. Reprendre des potions et tout ça, parce que. Quitte à faire respawn tout le monde. C'est des méduses. Est-ce que je dois passer en face ou... Ou je descends par là? What the fuck? T'es quoi toi? Ah! T'es pas gentil! Ok. Ok. Mais t'es déjà mort en fait. Personne t'a dit que t'étais un fantôme? Je pense qu'il faut. Ça, c'est un des trucs dans Elden Ring, c'est qu'il n'y a pas de quête secondaire, enfin, c'est pas indiqué en fait. C'est à vous de les trouver. Ils sont tous dos à moi, c'est nickel.
Ah non, pas ça. Pas ça, pas ça. Ah, je cherche le passage pour aller en bas en fait. Ah, je vais être obligé de passer par là-bas. Saloperie de créature. Alors, j'espère que t'es tout seul, toi. Non! Mais lock-le, bordel! Sympa ta petite roulade. J'ai voulu faire le fifou un peu là. Bon, apparemment c'est pas par là. Donc bah, je suppose qu'il faut sauter sur le toit peut-être. Je pense que je peux sauter là. Ouais, parce qu'on prend des dégâts, mais je sais plus trop à partir de quelle hauteur. Hein. Ce qu'on va faire, c'est qu'on... Hop. Et hop. Et normalement, ça va nous rendre nos potions. Ah, ça nous donne pas les potions de mana, par contre. Chemin est complexe, hein. Ouh, pierre de forge niveau 2. Bon, attendez, parce que la vue, elle est éclatée dans le jeu. La question c'est par qui je commence? Un fouet! C'est énorme! Ah, attendez! J'adore les fouets moi! Oui, c'est énorme! J'ai pas assez de quoi? À la dextérité? Eh mais en vrai, je sais pas si ça fait beaucoup de dégâts, mais combien en physique? What? Pourquoi je gagne de l'or là? Enfin des runes. C'est beaucoup trop calme. J'aime pas trop beaucoup ça. Rien de caché ici. Ah, ça c'est cool ça. Si jamais on vient à mourir. À mon avis, le boss est tout au bout. Hein. On va se méfier parce que ça fait respawn les rats et tout là. Je peux toujours pas faire l'invocation, c'est ça qui m'embête en fait. Parce que si jamais on tombe sur le boss là. Il devrait arriver dans pas longtemps. Ah bah il est à bol le boss.
J'ai plus de vie. J'ai fait n'importe quoi. J'avais pas regardé ma vie. Je suis trop bête. Ils sont chiants ceux qui volent. Vous avez vu, je galère à les trouver. Enfin, à les toucher surtout. Peut-être qu'avec l'OTP et la grande, je pourrais mieux les toucher. Mais c'est moi qui ai merdé là, clairement, parce que l'autre j'aurais pu le tuer pendant son sommeil en fait. Ce qu'on va essayer de faire. Ce qu'on peut pas faire. En fait, faut se mettre sous eux. Bon, j'ai utilisé une fiole, c'est ça qui m'embête. Et je sais pas du tout comment éviter les méduses en fait là. Ça c'est cool. Est-ce que je vais pouvoir faire des invoques ou... Petite lumière pour vous. On va tenter comme ça, mais... J'ai voulu esquiver, mais trop tard. Non, non. Tacle le loup, bordel! Ah, je croyais qu'il sautait sur le loup! Ah non, c'est trop! Ah, il nous a fait une feinte! Ok. Il est jouable, mais c'est moi qui ai fait de la merde. Le problème, c'est qu'il nous rush les boss et du coup, on est acculé. Ah ouais, on reprend d'ici, c'est vrai. On est acculé en fait dans le coin, ça c'est relou ça en fait. Que je peux descendre directement ici ou... Oh, attendez. Je vais l'enlever le fouet parce que là il m'embête plus qu'autre chose. J'ai pas mal de petits trucs à enlever là. Ça... Parce qu'en vrai ça fait pas de dégâts. Ça je veux le garder pour plus tard. Hop. Hop. Oh le bâtard. Ah non. C'est trop ce jeu. Il nous a poussé dans le vide cet enfoiré. Pourquoi les loups l'attaquent pas en fait? C'est... Je pense qu'il faudrait que je fasse un pouvoir magique dès le début. Bon, on va y arriver. C'est pas un souci.
Je vous fais une petite ellipse avant d'y arriver, parce que je voudrais faire une miniature. Et je vous reprends direct après. Ok, on est parti. Tu meurs. Ouh. L'espadon. Fusionné. Ouais, mais encore une fois, c'est pas une arme pour moi, ça. C'est même sûr. On va regarder ça. J'ai pris. T'arrives. J'ai vu que la vidéo commençait à être vraiment très très longue. On va regarder ça très très vite même. Hop. Il nous faut quoi? Force 40. Ah ouais. Non mais c'est des malades. Par contre elle a l'air stylée. What the fuck. Elle est trop bien. On dirait le trône de Game of Thrones. En effet. Ouais, par contre elle est vachement longue à utiliser. D'où la force en fait, c'est pour ça qu'elle est vachement longue je pense. C'est comme le marteau hein. Il y a des combos sympas hein. Bref, écoutez, on va s'arrêter là-dessus. J'espère que ça vous aura plu. Alors attendez. Parce que du coup je peux pas courir, je peux rien faire. On a loot des petits bijoux, mais qu'on peut pas utiliser, alors c'est un délire. On va juste vite fait faire le tour de l'île, voir s'il n'y a pas des trucs intéressants, parce que s'il y a un feu de camp... Ah oui, je peux pas utiliser mon cheval ici, oh, c'est trop. C'est qu'il y a forcément quelque chose. Genre pourquoi on peut venir ici en fait. Quel est l'intérêt de pouvoir revenir? Pourquoi il y a un feu de camp? Peut-être qu'il fallait pas le tuer et que c'était lié à une quête. Parce que je sais qu'il y a des boss en fait. Il faut pas les tuer parce qu'il y a des quêtes qui sont liées. C'est un jeu assez complexe. Hein. Je pense qu'il faut faire 15 000 parties pour bien comprendre tout le jeu en fait. Bon, alors chacun son délire. Hein. Moi c'est pas mon délire mais. Moi j'aime bien avoir tout, résoudre toutes les énigmes, mais en une seule partie, hein, pas en 15, j'ai autre chose à foutre en fait. Bref, bah écoutez, j'ai pas l'impression qu'il y ait plus, donc on va s'arrêter là. On a fait pas mal de choses, on a bien avancé, on va pas se mentir. Et on a loot des armes intéressantes qu'on peut pas utiliser, c'est cool, on est content. Ça va être vachement dans ma progression. Peut-être que dans le prochain épisode on va s'attaquer... Attendez, parce qu'il y a un truc que j'ai pas fait. Vous savez quoi, on ira dans le prochain épisode. Ça me donne envie d'aller vérifier quand même. Si l'autre il est là, le couturier là. Je sais pas trop où ce qu'il pourrait être en fait. Il va falloir fouiller toutes les pièces pour le trouver. Ça se trouve, il sera même pas ici. Hein.
En vrai, il peut être n'importe où. Voilà. Vous savez quoi? On vérifiera dans le prochain épisode où je vérifierai tout seul. Si jamais il est là, je vous le montrerai. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Activez la cloche. Et pensez au petit pouce bleu. C'est important pour soutenir la chaîne. C'était Makito. Portez-vous bien. Tchuss!